ou demain, s'il y a une situation quelconque pour un ancien président de l'Assemblée nationale tel que M. Kamer, nous serons là pour les défendre. Ça ne fera pas de moi membre de l'IDPS. Voilà. De l'UNC. Non, ça ne fera pas de moi membre de l'INC. Merci beaucoup. Ok, mais je parlais de la communauté internationale qui insiste sur l'application du calendrier global, je parlais de l'opposition congolaise. Maintenant, je vous parle de parti lumumbiste unifié qui exige lui aussi, qui d'ailleurs l'a dit clairement qu'il voudrait que les élections soient organisées dans un délai constitutionnel. Alors va-t-on l'en vouloir pour cela? Alors on sait tous que c'est un allié de l'AMP. Mais... Madame Mawina, je me permets de le répéter ici. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir le calendrier global. Il ne faut pas que ça devienne une obsession. Mais pourquoi par rapport gens à cela qui ont la... Mais je vous ai dit que je vous ai parlé des 6 étages d'élection à organiser. Le calendrier doit être réaliste. Les gens doivent travailler avec méthode et dans la sérénité. Nous sommes en plein puisque publier le calendrier global ne voudrait pas dire de publier les mêmes jours. Ce n'est pas ça, comme ça nous le comprenons. Publier calendrier global. Oui, mais vous êtes mal placé pour parler de ces étapes des élections. Vous avez dit que la CENI a des porte-paroles. Ils vont le faire. Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'on va en vouloir au PALU de pouvoir insister sur le délai constitutionnel en ce qui concerne l'organisation des élections? Alors, on constate déjà que l'AMP demande au PALU de pouvoir s'exprimer sur sa position actuelle. Non, je crois qu'il y a une chose que nous devons quand même considérer et comprendre. C'est que si les autres ont les droits de dire des choses contre la CENI, nous pouvons aussi avoir les droits, au moins, de dire aussi des choses pour la CENI. C'est un peu ça, aussi la vie de la nation. Alors, il ne faudrait pas que lorsqu'on critique la CENI, que ce soit normal. Et lorsqu'on défend la CENI en tant qu'institution de la République, ça devient anormal. Il n'y a aucun péché connu par Dieu qui existe dans la Bible, que lorsqu'on appuie les institutions de la République, on pêche contre la République. Ça n'existe pas. Alors, la même tribune que vous pourriez accorder, ou la compréhension que vous pourriez accorder à ceux-là qui critiquent la CENI, permettez, comme nous sommes dans une démocratie, aussi la même compréhension à ceux-là qui peuvent la défendre. Maintenant, si je commence maintenant à révéler le contenu du travail de la CENI, là, je deviens son porte-parole. Je ne suis pas porte-parole oui, de la CENI. Est-ce que vous pouvez répondre juste à ma de question, c'est celle de savoir, le parti lumumbiste unifié, qui s'est prononcé sur le délai constitutionnel en ce qui concerne les organisations d'élections, on a l'impression qu'on va l'en vouloir, parce qu'en même temps, la MP demande à ce dernier de pouvoir s'exprimer sur sa position actuelle. Et pourquoi? Non, mais vous savez... Vous êtes une famille politique. Je vous ai dit ceci. Excusez-moi. Je pense vous avoir dit qu'il y a des tractations qui commencent dans une famille politique, dans des petits salons, parce qu'il y a aussi des procédés à suivre. Ce n'est un secret pour aucun Congolais. Parce que vous m'avez même posé certaines questions impliquant certaines personnalités. Ce n'est un secret pour aucun Congolais qui est dans l'opposition à un certain moment. Je pense que vous m'avez récit dernièrement. Il y a eu des clashs entre Président Martin Fayulu et M. Kamere, et que chacun pouvait demander à l'autre de clarifier sa position, comme aussi peut y avoir des clashs dans la majorité, parce que la majorité doit avoir une politique commune, une prise de position commune. Lorsque vous êtes dans une direction, nous vivons dans un régime où il y a ce qu'on appelle discipline des partis. Lorsque vous êtes dans une direction qui est générale, vous sortez de cette direction, je pense, qu'il est important de clarifier votre position. Maintenant, demander à quelqu'un de clarifier sa position n'est pas lui en vouloir. C'est seulement de savoir si c'est un allié avec qui vous pouvez continuer à avancer ou pas. Parce que nous parlons d'un gouvernement de cohésion nationale où les PALU occupent, ou les PALU, par exemple, a les postes de vice-premier ministre, pas de n'importe quel ministère. Vous comprenez? Alors, il est important que lorsque un parti ou lorsque une plateforme a gagné aux élections, et que nous gérons la République, nous devons savoir de quelle manière nous devons les gérer. Alors, on va comprendre par là pourquoi la MP est en train de crier haut et fort que la CENI est en train de subir des pressions. Vous êtes quand même, vous pensez par là que la CENI est victime de toutes ces personnes qui l'incitent à pouvoir organiser l'élection dans les délais constitutionnels et à avant tout publier ce calendrier électoral. Vous savez, notre Constitution donne la réponse à votre question. Elle appelle la CENI comme étant une institution indépendante
d'appui à la démocratie. Vous parlez français et vous savez ce que veut dire institution indépendante. Que les Congolais réfléchissent. Lorsque on doit commencer à subir des injonctions, parce que nous ne sommes plus dans l'étape des conseils ou des orientations. Entendre Riz Fengol et entendre plusieurs personnes, ce sont maintenant des injonctions qu'on donne à une institution qui est censée être indépendante. Aux Congolais de se poser des questions. Est-ce que peut-on encore parler de l'indépendance de la CENI dans le contexte actuel des choses ou non? Pourquoi? Parce que dans les bureaux de la CENI, tout le monde, presque pratiquement toutes les grandes plateformes politiques sont représentées. Ils sont représentés dedans. Maintenant, le problème, c'est que nous observons dans ces pays. On l'a vu récemment avec les MLC. Nous sommes avec vous dans l'opposition parce que vous n'allez pas au gouvernement, même si c'est un gouvernement de cohésion nationale. Quand vous allez au gouvernement, il y a des positionnements personnels où on veut exclure tout le monde. Nous, l'INC, nous vous envoyons à la CENI, mais quand vous êtes à l'intérieur de la CENI, il y a des gens qui disent que vous n'êtes plus avec nous. C'est un problème de positionnement personnel et ça, ça ne fait pas avancer un pays. Mais alors, respectons un peu, faisons la politique des règles et la politique avec un idéal. D'accord, d'accord. On a l'impression que le délai est tellement court et la CENI se complique à publier ce calendrier global. Mais pourquoi on ne dit pas la vérité au peuple congolais? Et si cela était le cas, est-ce que le dialogue entre Congolais est-il le bienvenu? On sait également que la famille politique du chef d'État est ouverte au dialogue, mais est-il le bienvenu sous ce format qui est demandé, celui de la résolution 2098 du Conseil de l'ONU et aussi par rapport à l'accord cadre d'Addis Abeba? Vous savez, pour parler de dialogue, je vais répondre à votre question, mais très rapidement, je vais essayer un peu de balayer certains arguments, de rencontrer certains arguments que nous entendons par gauche et à droite. Je pourrais les comprendre parce que vous êtes journaliste, vous pouvez faire ces investigations. L'accord d'Addis Abeba n'est pas tombé du ciel. On l'a négocié. Il y a eu des tractations. Il y a eu un travail qui a été fait. Permettez-moi de répondre à votre question. Allez-y. Je vous dis, Madame Mawina, quand on les négociait, des gens aujourd'hui qui font allusion à cet accord, ils n'étaient pas avec nous, ils nous critiquaient. Ils nous ont demandé la voix des Congo-Brazzaville pour aller chez l'Air Sassou. L'Air Sassou, vous comprenez. Nous avons emprunté les chemins d'accord d'Addis Abeba. Non, c'est comme ça qu'ils nous l'ont présenté, en tout cas pendant un moment. Nous sommes allés. Maintenant, ils devaient avoir un peu d'humilité pour venir voir aux gens, les gens qui ont travaillé sur un projet pour qu'ils leur expliquent quel a été l'esprit, au lieu de commencer à les présenter tel qu'il n'est pas. Puisque l'accord d'Addis Abeba n'était qu'un cheminement pour aboutir à la résolution 2098. Donc, ça a été signé à l'unanimité au niveau du Conseil de sécurité, membres permanents comme non permanents, dont les Rwandais étaient aussi signataires. Vous savez ce qui était dit dans ces pays. Vous savez comment est-ce que nous avons été critiqués par rapport à cela. Aujourd'hui encore, les gens reviennent sur ça, avec un format qui n'est pas celui que nous avons négocié. Quand on fait de la politique, on doit être cohérent. Hier, ils ont contesté, ils n'avaient pas de matière, qu'ils viennent nous voir, on leur expliquera l'esprit. Maintenant, pour venir en ce qui concerne les dialogues à l'état pur, les dialogues à l'état pur, Madame Wawina, n'est pas dialoguer en politique et criminel. Un politicien ne ferme jamais la porte au dialogue, à tout moment, crise ou pas. En pleine période, au fait de la guerre froide entre les États-Unis d'Amérique et l'ex-URSS, ils ont gardé leurs ambassades respectives. Malgré tout ce qu'on décriait, malgré tout ce qu'on déclarait, malgré des communiqués interposés qui étaient... Parce que dans la politique, il faut toujours garder un cadre de dialogue. Et les chefs de l'État, aucun Congolais digne de ce nom pourra dire que le chef de l'État ou le président Joseph Kabila ne soit pas un homme de dialogue. Non. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a toujours sa politique de main tendue. Si aujourd'hui, pour X raisons, la vie, la nation s'est compliquée, ou même ne s'est compliquée pas, mais que les politiciens estimaient nécessaire de créer un cadre de dialogue. Il faut que ce soit pour faire avancer la République, non pas pour faire reculer la République. Tout dialogue plutôt fait avancer un État lorsqu'il est fait de bonne foi. Et moi, j'ai dit ceci que je ne peux que saluer tout et tout Congolais qui comprendrait même l'essence de la cohésion nationale, puisque on ne peut pas atteindre la cohésion nationale dans un État sans aussi renforcer l'esprit de dialogue entre hommes politiques ou entre Congolais. Voilà l'état d'esprit que j'ai. C'est vrai, je dis qu'on ne peut que les saluer, mais pas comme ils essayent de nous le présenter, comme ils les comprennent.
D'accord. On va parler de retour des SMS et des réseaux sociaux. Finalement, les Congolais peuvent chatter comme ils veulent, mais comment est-ce que le gouvernement congolais compte-t-il indemniser les perdants dans cette situation, c'est-à-dire les opérateurs économiques, par exemple? Moi, je crois que des mesures exceptionnelles d'ordre sécuritaire, quand elles sont prises partout au monde, moi, je crois que ça donne lieu à ce que tout le monde participe. Parce que vous savez, participer veut tout simplement dire quoi? C'est une mesure exceptionnelle. Un cas similaire s'est déjà produit quelque part. Pouvez-vous nous donner un exemple? Je réponds à votre question. On ne parlait pas des cas similaires, je parlerai. Les cas similaires, nous parlons des réseaux sociaux, nous parlons par exemple d'Internet. Mais vous savez, lorsque dans un État, il y a par exemple, je vais parler par exemple en matière de terrorisme aux États-Unis d'Amérique. Le 11 septembre, il y a eu des avions par exemple qui ont fracassé les deux tours jumelles. Il y a eu des conséquences énormes qui avaient touché même certains opérateurs aussi, parce que c'était aussi un manque à gagner, pratiquement dans plusieurs tissus de la République. Je ne veux pas dire que le gouvernement américain avait mis en place le mécanisme d'indemnisation. On comprend par là que c'est une concession que doivent faire les uns et les autres par rapport à cette situation. La paix permet à tout le monde de fonctionner. Or, la situation que nous avons frôlée dans notre pays, c'est une situation que certains, ceux qui en étaient les auteurs, on cherchait tout simplement à ce que ça brille à la maison. La RDC a déjà brûlé et plusieurs fois. La RDC aujourd'hui doit se construire. La RDC n'a plus besoin de se brûler. Parce que si nous devons nous brûler, et cela peut se vérifier par les actes que nous avons pu déplorer, ces actes-là n'ont pas construit, ces actes-là ont détruit. Et si cela devait se poursuivre, c'était tous les pays qui seraient détruits. D'accord. Est-ce que on va dire comme ça que l'État congolais a pris maintenant des dispositions pour que pareille situation ne revienne plus, même quand il s'agit de régulariser la situation sécuritaire pour ne plus préjudicier les opérateurs économiques, mais aussi la population congolaise? Non, mais moi je crois que si oui, comment? Non, je crois que d'abord la population congolaise devrait d'abord elle-même être consciente, prendre ses responsabilités. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est assis chez lui devant son clavier, on ne pourra pas lui demander les comportements adoptés, les genres de choses qu'il faut publier. Mais vous savez une chose, le journal Le Monde, l'édition du 26 janvier 2015, ce journal-là, Le Monde, a pratiquement fait un mea culpa et a écrit quelque chose d'assez grave dans la vie d'une nation. Le journal Le Monde reconnaît qu'en allant dans les réseaux sociaux des Congolais par rapport aux événements du 19, 20 et 21 janvier, il a pu récupérer des éléments qu'il avait lui publiés en tant que journal pour se rendre compte par après que c'était des événements depuis là, à Brazzaville, c'était des événements du Venezuela, c'était les événements des Burkina Faso. Mais on ne va pas dire que par rapport à ça, il ne s'est rien passé à Kinshasa ce jour-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne s'est rien passé. Je pense que si les gens publient autre chose, ce qu'ils attendaient en termes de gravité d'actes posés, ils ne l'ont pas eu. Parce que s'ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, ils allaient poster des images réelles. Or, ce n'est pas moi, Madame Wawina, je vous parle du journal Le Monde. Vous êtes journaliste et si vous contestez la crédibilité du journal Le Monde, libre à vous. Mais moi, je vous dis que c'est le journal Le Monde. Ce n'est pas l'humble Papi Tamba Sivote que Pato qui le dit. Ce qui s'est passé, il y a eu des gens qui attendaient pire que ça. N'ayant pas obtenu ce qu'ils attendaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez n'ayant pas encore obtenu, la situation d'Internet s'est rétablie il y a peu, on ne sait pas ce qui va se passer entre-temps. Non, l'Internet, on n'a pas coupé l'Internet parce que l'Internet a servi à faire ce qui s'est passé, non. C'est parce que l'Internet a contribué, une fois que les événements se sont passés, à diffuser des fausses informations pour les pays. Voilà la nuance. Il ne faut pas dire parce qu'on rétablit l'Internet et que ça ne s'est pas... Et que non, les gens on va dire qu'il est temps de réglementer ces secteurs. Moi, je crois que là, je vais lancer l'appel, par exemple, aux députés. Dans notre pays, nous avons une absence totale des lois sur la cybercriminalité.
Moi, je crois qu'il faut commencer par donner d'abord un cadre juridique. En France, il vient de voter une loi il n'y a pas longtemps en matière de terrorisme par rapport aux réseaux sociaux. Le ministre des Affaires et de l'Intérieur n'a plus besoin, même pour bloquer certains comptes, n'a plus besoin de recourir à une décision de justice par rapport aux événements de Charlie Hebdo. Les faits précédant la droit, la législation devait suivre. Parce que nous ne sommes pas un État où il doit y avoir des abus. Il faudrait maintenant que tout soit encadré parfaitement par la loi. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, Madame Mawina, que nous devons avoir, nous Congolais, un comportement un peu conséquent. Ce n'est pas glorieux de présenter les images, de montrer des policiers tués alors qu'ils n'étaient pas tués. Vous montez une image pour montrer que le palais du peuple est assiégé alors que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas glorieux tout cela. Comme aussi ce n'est pas glorieux de voir qu'il puisse y avoir un seul Congolais, je ne dis pas mourir, mais être blessé. Nous ne devons pas faire du malheur du peuple congolais un fonds de commerce. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, même une simple égratignée du Congolais, j'en ai pas besoin. Je ne vais pas voir le sang des Congolais couler. Nous sommes dans un processus de démocratisation de nos institutions où je pense que les règles du jeu sont définies par la Constitution. J'accepterai tout politicien, comme le Sénat a fait preuve d'une certaine maturité, la Chambre basse, l'opposition aussi existe aussi au Sénat. Mais au niveau de la Chambre basse, ils ont préféré crier que de dire ce qu'ils pouvaient dire. Une loi pourrait venir la majorité, comme elle peut venir l'opposition, mais lorsque cette loi-là est envoyée au Parlement, ça devient la loi de la République, où les gens doivent se dépasser par rapport à leur famille politique pour en débattre. Okay. Nous avons assisté au débat au Sénat. Les débats pouvaient commencer par la Chambre basse. Des gens qui avaient des choses à dire, ils les disent lorsqu'ils prennent la bouche, ils les disent pas lorsqu'ils crient ou lorsqu'ils sautent. C'est un comportement irresponsable. Si dans l'avenir, si d'aventure, il y aurait des mésententes ou même des désaccords par rapport à un dispositif de la loi, députés, la majorité ou l'opposition, qu'ils utilisent leur cerveau et leur bouche. Ils ont été élus pour ça. Moi, je pense qu'ils vont faire plus de bien à la République que de commencer à acheter des sifflets, commencer à sauter, commencer maintenant à gesticuler, commencer même à insulter, commencer à faire certaines pratiques qui ne respectent pas. Ce n'est pas un comportement honorable. Ce n'est pas un comportement honorable. Nous les appelons des honorables députés. OK. OK. On va parler rapidement de la sécurité à l'est du pays. La traque contre les FTLR ont été déjà lancées et les FARDC sont à l'œuvre pour ça, mais on constate quand même qu'il y a mésentente actuellement entre la MONUSCO et le gouvernement congolais parce que la MONUSCO est en train de déplorer la présence de deux généraux qui combattent contre les FDLR alors qu'ils sont présumés, je préfère lire, à cause de leur complicité présumée dans des graves violations de droits de l'homme. Alors on va dire qu'il s'agit là d'un défi qu'on lance contre la MONUSCO. Madame Mawina, il y a une chose qui me choque en tant que Congolais. J'ai encore en mémoire la date du 6 avril 1994. Le 6 avril 1994, il se passe des événements au Rwanda. Certes, des pays frontaliers, mais ça se passe au Rwanda. Aucun Congolais n'a traversé la République démocratique du Congo pour aller tuer un Tutsi ou un Hutu au Rwanda. Les Tutsis se sont entretués avec les Hutus. Les chiffres, contestés ou pas, mais parlent depuis de 800 000 morts. Mais vous savez, un jour, l'ONU, ou demande à la RDC, c'est la demande d'un président de la République, d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité, ayant droit de veto, d'ouvrir les frontières pour que nous puissions parler des FDLR chez nous. 20 ans après, ils n'ont pas réussi à l'éradiquer par rapport à tous ces épisodes. Ils viennent nous donner des leçons de morale. Vous savez la fierté d'un peuple. Mais vous les éradiquez pas de n'importe quelle manière. Et cet ultimatum qui est lancé jusqu'au 13 février pour que ces deux généraux soient retirés de l'équipe qui combattre contre les FDLR. Je ne sais pas si... La MONUSCO pose comme condition de se retirer si ceux-là ne sont pas retirés. Et qu'est-ce qui va se passer s'ils le font? Vous serez fiers, ou les Congolais seraient fiers de voir notre gentil pays subir quotidiennement des sortes des ultimatums,
Tout simplement parce que nous demandons qu'une chose, c'est de rétablir la paix dans notre pays. En mais matière, vous ne rétablissez pas en matière de rétablissement vous ne de la le rétablissez paix, pas de n'importe quelle matière, manière. Personne n'est contre ce rétablissement de la rétablissement paix, mais de la pas paix. De n'importe quelle manière, pas avec des gens qui Madame, sont présumés Madame complices. Wina, Madame Wina, vous savez, quand déjà vous dites vous-même que des gens sont présumés complices, vous parlez de la présomption d'innocence, vous ne parlez pas de la culpabilité. Rien que pas dans l'air communiqué. Mais pourquoi ne pas clarifier la situation mais, avant attendez, de continuer ce qui clarifie, y aurait-il un dossier judiciaire qui enlève la présomption qu'il y a eu des condamnations? Sinon, c'est simple. C'est simple, je ne parlerai pas dans votre émission parce qu'on dirait que je serais présumé violeur alors que je n'ai jamais violé personne de ma vie. Donc, sortons un peu de cette case. Moi, j'en appelle un peu au bon sentiment des Congolais. Nous sommes pratiquement à la fin, monsieur Tamba. Non, mais c'est choquant. Je veux avoir votre réponse sous cet ultimatum qui est lancé à la RDC jusqu'au 13 février pour que ces dégénéraux soient retirés de l'équipe. Vous savez... Sinon, la Monisco se retirera. Vous savez, de 1994 jusqu'à ces jours... Soyez bref, parce que nous sommes vraiment à la fin. C'est pourquoi je réponds aussi en disant que notre pays a fait preuve de la détermination pour que nous puissions bouter les forces rebelles de notre territoire. Nous avons réussi ces paris avec les M23, nous les réussirons avec les FDLR. Avec ou sans la Monusco? J'ai dit que nous les réussirons. Maintenant, la Monusco comprendrait quelle est sa mission dans notre pays. Comme la Monusco ne va pas s'ériger en tribunal, la Monusco va constater tout simplement que le terme « présumé » ne voudrait tout simplement dire être coupable. Et la Monusco reviendra au meilleur sentiment, du moins je l'espère. D'accord. Monsieur Papi Tamba, merci, Madame merci beaucoup, vous avez toujours été disponible, merci beaucoup. Merci je aussi. Suis un serviteur de la République. Merci aussi, merci. Merci aussi à vous hein, pour votre fidélité à cette émission. Je vous retrouve le mardi prochain avec un nouvel invité et des nouvelles questions d'actualité. Mais entre-temps, si vous avez pris cette émission en cours, elle reviendra demain 7h15, mais également le jeudi à 23h. Prenez bien soin de vous hein, et surtout restez avec notre Bio en télévision.